Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes très heureux de nous retrouver cet après-midi encore, partager cette pensée que le Saint-Esprit a déposée dans notre cœur. Alors nous voulons commencer déjà en priant, en remettant tout entre les mains de celui qui nous a donné cette occasion. Père, nous te disons merci pour l'occasion que tu nous as donnée. Toi, le maître des temps et des circonstances, toi qui contrôles la nature, tu le maîtrises parce que tu l'as créé. Et c'est après le subir, Seigneur, tant que ton sang est ton humble serviteur, je prie que cet après-midi, que tu touches le cœur de quelqu'un, et que quelqu'un qui était abattu, qui était prêt à abandonner, que tu l'aides encore de plus à ne pas abandonner. J'ai prié que cet après-midi, que quelqu'un qui se disait « qu'est-ce qui m'arrive ?» il s'appuie à toi, Seigneur. Alors, Saint-Esprit, j'ai prié que tu transformes la vie des gens qui sont en train de suivre cet après-midi et que Christ te soit glorifié. Je ne sais pas parler, j'ai prié et que toi, tu m'aides à le faire mieux pour la gloire de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Alors, cet après-midi, j'ai un thème un peu bizarre et on va essayer un peu de partager ce thème. C'est Bakosa la Elohote. Nous, c'est un temps où nous écoutons ces chansons qui nous bénissent. Je rends grâce à Dieu pour le couple pastoral, Maman Danège et Papa Adams, qui nous bénit par cet album. Je nous invite, je nous recommande d'acheter. C'est déjà officiellement maintenant. Et je nous invite, nous tous, à avoir ces chansons Bakosa la Elohote. Souvent dans la vie, on a l'impression comme si les chrétiens sont devenus des personnes intimidées facilement. Les chrétiens sont devenus des personnes où tout le monde peut venir intimider. Et on ne comprend plus qu'est-ce qui se passe. Bakosa la Elohote, avec ce passage biblique, Jérémie chapitre 1er, verset 1er à 19. Parole de Jérémie, fils de Ijek, l'un des prêtres résidents à Natou, en territoire de Benjamin, lui fait adresser la parole il y a environ jour. Au jour, la parole au jour de la Joachim, fils de Joassi, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédias, fils de Joassi, roi de Juda, jusqu'à la déportation de Jérusalem au 5e mois. La parole de Yahweh me fit adresser en ces termes, avant même que tu modères au ventre maternel, je t'ai connu. Avant même que tu sois sorti du sein, je t'ai consacré comme prophète des nations. Je t'ai établi et j'ai dit, ah Seigneur, Yahweh, vraiment, je ne sais pas parler, car je suis un enfant. Mais Yahweh répondit, ne dis pas, je suis un enfant, car vers tout ce qui est à qui je t'enverrai, tu iras, et tout ce que je t'ordonnerai, tu le diras. N'aie aucune crainte, car leur présence, je suis avec toi pour te délivrer, oracle de Yahweh. Verset 9, alors Yahweh étendit la main et me toucha la bouche. Yahweh me dit, voici, que je place mes paroles à ta bouche. Vois, aujourd'hui même je t'ai établi sur les nations et sur les royaumes, pour arracher et renverser, pour exterminer et dévouer, pour bâtir et planter. 11. La parole de Yahweh me fit adresser en ces termes. Que vois-tu, Jérémie? Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche de vierre. Alors Yahweh me dit, tu as bien vu, car je veillerai sur ma parole pour l'accomplir. Une seconde fois, la parole de Yahweh me fit adresser en ces termes. Que vois-tu? Je répondis, je vois une marmite qui boulonnait sa guilaine grégare depuis le nord. Alors Yahweh me dit, c'est du nord
qui va déborder les malheurs sur tous les habitants du pays. Car voici que j'appelle toutes les familles du royaume du nord, oracle de Yahweh. Il viendra et chacun placera son trône. Il enterrera les portes de Jérusalem contre ses repas tout autour et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai contre eux mes jugements à cause de toute leur méchanceté, car ils m'ont abandonné. Ils m'ont encensé d'autres dieux. Ils se sont prosternés devant l'œuvre de leurs mains. 17. Quant à toi, tu descendras des règnes. Tu t'élèveras et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Moi, ne tremble point devant eux, sinon je te ferai trembler devant eux. Voici que moi, aujourd'hui même, je t'ai établi comme veille, comme ville prophétique, fortifiée, colonne de fer, et rempart de brousse devant tout le pays. Le roi de Juda, ses princes, ses prêtres et les peuples du pays, ils lutteront contre toi, mais ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi, oracle de Yahweh, pour te délivrer. C'est que j'aime le verset 19. Ils lutteront contre toi, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi, dit l'Éternel. Barossa, la paix, l'oroté, c'est au courant de cet après-midi, on va essayer un peu de savoir. Il y a quatre objectifs, il y a quatre buts qu'on va essayer un peu d'étendre dans cet exposé de cet après-midi. Première, c'est que encourager quelqu'un à demeurer ferme face au combat de la vie. J'aimerais, dans cet après-midi, encourager quelqu'un à demeurer ferme dans tous les combats de la vie. Deuxième, réaffirmer la foi de quelqu'un qui passe par des moments d'approbation, par des moments compliqués. Troisième, encourager quelqu'un à résister, à tenir ferme contre les attaques des ennemis, visibles comme invisible. J'aimerais encourager quelqu'un à résister, à tenir ferme face au combat, face aux attaques des ennemis, visibles comme invisibles. Et quatrièmement, rassurer quelqu'un de la présence de Dieu dans chaque domaine de ta vie, dans chaque situation de ta vie. J'aimerais, au cours de cet après-midi, atteindre ces quatre objectifs, ces quatre buts. Encourager quelqu'un à demeurer ferme dans ferme face au combat de la vie. Raffermir la foi de quelqu'un qui passe par des moments d'opposition. Encourager quelqu'un à résister, à tenir ferme contre les attaques des ennemis, visibles comme invisibles. Quatrième, rassurer quelqu'un de la présence de Dieu dans chaque domaine de ta vie. Alors, que pouvons-nous savoir de Jérémie? Parce que c'est de Jérémie que nous avons lu ces portions de l'Écriture. Jérémie. Jérémie, ça signifie Dieu élevé. Ou élevé de Dieu. Jérémie, fils d'un sacrificateur. Quand vous entendez quelqu'un qui s'appelle Jérémie, ça signifie Nzamba Tomboli. Ou à Tomboami Nanzambi. Jérémie, le fils d'un sacrificateur, le fils d'un homme de Dieu, le fils d'un roi. Trois, Jérémie a vécu au 7e siècle avant Jésus-Christ. Quatre, Jérémie, jeune, il fut désigné par Dieu à exercer le ministère prophétique. C'est-à-dire être le porte-parole de Dieu auprès des hommes et principalement de Juda. Ministère qu'il exerce avec fidélité. Jérémie a duré pendant 50 ans.
dans son ministère, il a duré pendant 50 ans, c'est vraiment beaucoup. Cinquième, Jérémie n'a jamais été marié sous l'ordre du Seigneur. Il y a des gens par lesquels qui ont reçu les ordres que Nabobalaté, Nabosei, Lanzam, je t'encourage pour ça, et pouvaient être comme Jérémie. Sixième, Jérémie, partant de Daniel, Ézéchiel, Ésaïe, ils sont désignés comme des prophètes majeurs. Ils sont des prophètes majeurs tout simplement parce qu'ils ont beaucoup écrit. Quand vous regardez le livre de Jérémie, de Daniel, d'Isaïe, sont des livres où ils ont beaucoup écrit. Dieu s'est vraiment manifesté et on l'appelle des prophètes majeurs par lesquels Dieu s'est manifesté à eux. Le message fondamental de Jérémie, c'était la repentance. Jérémie prêchait que la repentance, parce que le peuple d'Israël était tellement loin, il était là pour faire revenir Israël auprès de leur Dieu, auprès de leur maître, auprès de leur père. Et son prédication était caractérisée par la repentance. Il prêchait aux gens, revenez à Dieu, laissez vos péchés, laissez tout ce que vous êtes en train de faire, parce que le peuple d'Israël était tourné vers Dieu. Ils adoraient le Dieu qu'eux-mêmes avaient créé. 9. On connaît là où Jérémie est né, mais on ne connaît pas là où Jérémie est mort. Parce que souvent, les gens disent qu'il était mort en Jérusalem. Et puis, il y a un peu des tâtonnements sur sa mort. On ne sait pas là où il est mort jusqu'à maintenant. On n'a pas vraiment des informations sur là où Jérémie est mort. Mais 10e, pour finir, il a réussi avec la même année que les prophéties, donc avec différents prophètes. Même année qu'Habakkuk, même année que Daniel, Jérémie, il était parmi des grands prophètes que Dieu s'est manifesté à eux. Partant de cet passage biblique, pensant de l'écriture, il y a beaucoup de vérités à savoir, il y a beaucoup de leçons à retenir, mais j'ai retenu d'abord pour l'instant des choses, des leçons. Première leçon, c'est la vie d'un homme n'est pas le fruit d'hasard. Il y a des hommes, quand babimi na mokili, ils se disent, n'a pas besoin d'un fruit hasard. Tout simplement parce que son entourage, là où il est né, là où il habite, là où il reste, les gens ne le disent pas que non, tu n'es pas fruit d'hasard, tu es fruit de Dieu. La vie d'un homme n'est pas fruit d'hasard. Écoutez, oui, robot, ta maman, parents, va boire qui ça yo, bande de robotique yo, mais on a fui hasard, on a fui en zambi. Dieu, en fait, Dieu n'était pas informé quand il était en train de te donner dans le ventre de ta mère. Dieu, les hommes n'ont pas informé Dieu pour que tu puisses vivre dans le monde. Dieu, même les anges, Dieu savait que tu allais venir. Je suis en train de parler à quelqu'un cet après-midi. Tu es en train de passer par des moments très difficiles. Tu te poses la question, est-ce qu'il y a un outil qui a battu dans mon kili? Est-ce que moi, je suis un fruit d'hasard? Tu n'es pas un fruit d'hasard. Tu es le plan de Dieu. Tu es celui que Dieu avait déjà décidé avant la fondation du monde. Parce que la Bible dit, il nous a aimés avant la fondation du monde. Je suis en train de parler à quelqu'un, de rassurer la foi de quelqu'un cet après-midi. C'est que tout ce que tu es en train de vivre, tout ce que tu es en train d'expérimenter, tout ce que tu es en train de voir, cela ne peut pas te faire croire que yo, on a fui hasard. Non. Je ne sais pas, tu pas dans quel moment. Je ne sais pas, peut-être tu n'as pas de travail, peut-être tu es en train de chercher des mariages, parce que tu as déposé des dossiers par-ci, par-là. On ne te reçoit pas, tu as l'impression comme si on a fui hasard. Cet après-midi, Alors arrête de t'inquiéter, arrête de te lamenter, arrête de te poser plusieurs questions sur ta vie. La vie n'a pas besoin de poser plusieurs questions. La vie a besoin de regarder celui qui l'a créé. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un cet après-midi, mais je suis en train de dire à quelqu'un, situation sur les canangos de la vie et faire croire que non, yo, on a fui hasard. Non! David est en train de dire quelque chose de très merveilleux. David est en train de dire, quand nous lisons le livre
de Jérémie, toujours dans cette verset, chapitre 5. J'aime ce que Dieu est en train de dire à Jérémie. Il dit, avant même que tu modères au ventre maternel, je t'ai connu. D'autres versions disent, avant même que tu sors, je t'avais déjà consacré. Avant même. Moni muta finga rayoana, yazala ki te menzamba ponaki yo déjà. Moni muta ba oza zoba, yazala ka te ta nzamba do sala yo. Mais tu l'as laissé en fait. Les problèmes, c'est ça avec nous. On a laissé que nos oreilles écoutent des choses compliquées. Et maintenant, ça commence à nous faire trop mal. Je me pose la question si les gens comprennent la vie. La vie n'est pas caractérisée à se lamenter, à se poser des questions. Quand ça ne marche pas, ne regarde pas les hommes. Regarde que Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu avais dit pour moi? Je ne sais pas, les parents t'ont abandonné. Je ne sais pas, peut-être ta femme t'a laissé parce que tu n'as plus l'argent. Peut-être cette fille, au foot, elle est classe. Au temps qui ça y est, au qui ça y est, bah, t'as malam na vie. Mais à tika ya loba koza zoba, oza zoba, t'es une de ramobal, une de romoa si. Je sais pas, tu passes dans lequel moment où tu as l'impression que tu es en train de faire des affaires, mais ça ne marche pas. Et tu te dis que non, là, il va me égosimba, t'es marmé. Et ça, alors, au mort de rosal, égosimba. Un homme a dit, le péché de l'homme, c'est de ne pas essayer. Quand tu n'essayes pas, tu vas pas arriver. Tout ce que tu feras, ça marchera. Parce que ma kambat bazo sa dosi mo batona ba lekon lo rote bazana maina makila bazana mutu lo ro la peut-être yo sa mbela ba ba sa mbela raté. Alors je venir encourager quelqu'un, n'abandonne pas. Oza fui azarté. Oza fui azarté. Oza yo nzamba yiba ki ayiba ki ton nzamba do sala yo nzamba yiba ki ke yo falo zala parce que nzera yo nzamba zo nga kuksa makamba minene. Osa fui azarté. Je suis en train de parler à un frère ici. Je suis en train de parler à une terre. Arrête de te lamenter. Ce qui est relation de simatetika na yo. Ce qui manque à moi de simatetika. Mais comme il n'y a pas de fui azarté. Il y a de la Il y a des gens qui ont mis sur le premier sur le maman. Alors ne te lâche pas, ne te laisse pas. Ne te sous-estime pas aussi. Crois en toi. Crois aussi à celui qui t'a créé. Crois à celui qui t'a donné la vie. Crois à celui qui t'a dit qu'avant que tu puisses être dans le ventre de ta main, je t'avais déjà connu. Je suis en train de parler à quelqu'un cet après-midi. N'abandonne pas. Ne lâche pas. Ne dis pas que ma vie n'a pas compris les choses. Ne meurs pas encore. Non, ne donne pas encore la mort dans ta vie. Parce que tu dois vivre. Parce que Dieu veut faire de toi sujet de gloire et de bénédiction pour plusieurs personnes. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as écouté, qu'est-ce que tu as entendu, mais je suis en train de parler à un homme, à une sœur, à une femme. Moi, si je suis en train de chaque jour, n'abandonne pas, ne lâche pas encore. C'est que les gens sont en train de dire, ce sont des réalités, ce ne sont pas la vérité. La vérité, c'est que Dieu t'a dit. C'est, en fait, tout ce que tu es en train de voir, babingan na musala, ba na bazan na bon wafu, tate na classe, et ça, c'est la réalité, mais ça, vérité, t'es. Vérité, Nicolobake, toi, tu ne mourras pas, tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Donc, tu vois les gens qui travaillent, tu vois tes amis que si ça n'a pas en classe. Oh, bah, là, que yo, vu, na yo, ça, la, karabouye. Oui, bah, somi, mituka, bah, bal, déjà, bah, bazan, bah, nakou. Mais, bah, on va clôturer, t'es. Bah, clôturer, au soir, mituka, t'es. Tant, souvent, qu'à moutou, quand on est bimite, comme ma calamingité. Alors, on ne lâche pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, n'abandonne pas encore. Ton temps est en train d'arriver. Quand ton temps arrive, Dieu décide d'aller vers toi. Toi, tu ne viens pas vers Dieu. Quand ton temps arrive, tu travailles paix. Quand ton temps arrive, les choses, les gens qui étaient en fait censés être détruits deviennent les gens qui doivent t'amener à la gloire. Alors, n'abandonne pas, ne lâche pas encore. Ne lâche pas encore. Moussa l'ango de simaté, n'ako tikaté n'ekou. Ça marchera. Ça avancera. Mon lili ozo moune aussi la lumière ko kota. J'aime ce que David est en train de dire. Psaume 139, verset 13. J'aime ce qu'il est en train de dire. Mon frère, ma sœur. Je ne sais pas, aux autres, il y a un moment ni la vie. Peut-être tu n'as pas là où il faut reposer ta tête. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, cette terre, et puis ça met la pébisso. Ce que vous avez battu, vous avez pour autant. Ce que vous avez battu, vous avez pour autant. La Bible est en train de dire, dans mon pays, il n'y aura pas de femmes stériles. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. 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 Mais je suis en train de dire à quelqu'un, restez dans ton poste.
Reste là où Dieu est en train de t'attendre. Nous ne sommes pas sortis dans ce monde pour rien. Parce que Dieu a voulu. Tout ça va fouiller en Zambie. La Bible dit, Dieu a de bons projets pour nous. Des projets de bonheur et non de malheur. Dieu n'a pas de projets de malheur pour nous. Dieu a des projets de bonheur et de paix. Je sais que les problèmes de Goma, ça finira par changer. Je sais que nos frères de Ituri et de l'Est, de Beni, ça finira par changer. Le peuple congolais ne sera pas tout en train de subir, il doit aussi réagir. Le temps est en train d'arriver où le peuple congolais ne sera pas toujours en train de subir, mais sera en train de réagir, d'agir. Je sais que ce temps est en train d'arriver. Je sais. Je sais que les choses changeront. Gouvernement, on peut te Fatih en haut, les choses changeront. Nous croyons à cela. Alors, je suis en train de dire à quelqu'un, sois fier d'être Congolais. Sois fier d'être Mouinou. Ceux qui ont la masse, aza peme, ils ont la moune, aza kitoko. Ceux qui ont la moutou, ceux qui ont la moukousse, ils ont la moukousse, ils ont la moukousse, ils ont la moukousse. Alors, tu n'as pas, en fait, qu'on critique n'a été pour n'a pas bon côté, les locaux critiquent n'a été. Donc, ça ne voit pas moi aussi, à critiquer. Toi, au bout, mais à fin n'a été, parce qu'il y a eu l'obin n'a été. Dieu t'avait déjà connu avant que tu sors. Mon truc de voir la moins de finger pour l'ingé à de boya yo, il me sait attention ce que boy boya na yo, mais au finger t'es parce que tu me connais pas, tu connais pas le demain, tu connais pas ce qui va arriver demain. Demain ça appartient à Dieu, ça ne partait pas à ta mère, ni à ton père, ni à ta famille, ça ne partait à Dieu. Tu as fini de dire, ça fait longtemps, 10 ans, 7 ans, 3 ans, tu ne travailles pas, ne baisse pas encore, n'abandonne pas, ne lâche pas, ça finira par marcher. Ça finira par aller. L'ombre, ce que tu es en train de voir, ça, la lumière va prendre la place. La lumière va prendre la place. Ce que j'aime, c'est que Proverbe chapitre, tu n'es pas ici comme en fait, le verbe est utilisé dans les Proverbes chapitre 16, verset 4. C'est les verbes parlant utilisés dans les passés composés. Proverbe chapitre 7, verset 4. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu passes dans quel moment? Quelles sont les choses qui te dérangent? Barossa le loroté. Balobana bango ba finga. Mais barossa le loroté. Barossa le loroté atabaye kama. Barossa le loroté atabalobi koza zoba. Po bango balobi, za nonka reza. Bango ne bazoloba, nza mette mouta lobi. Po soki nza balobi, wana no koum na pasi. Mais po bango bazoloba, oza kou na ti na te, ya roza na ben ke ti diagole laka. Bangoni bazolo bezanza mbete, zanza mbete. Dieu sait qu'il a dit dans ta vie, ça finira par s'accomplir. Alors, Baroussa le loroté, Jérémie, Dieu l'a dit à Jérémie, avant que tu sors, je t'avais déjà connu. Je savais que tu allais venir. Oui, en fait, papa boit qui ça, maman boit qui ça, oui, ce n'est pas un problème. Ça, ce n'est pas un problème. Mais Dieu a un plan avec toi. Dieu veut faire de toi ce canal par lequel plusieurs personnes ont seule référence. Ceux qui famille basant la référence, c'est une comme référence à famille. Hein, ceux qui famille basant la communauté, la ville à Kinshasa, bah autant un peu comme on a eu. Tu vois, il y a des gens ici dans cette non. Dans des villes à Kinshasa, bah qui bah on va famille qui gagne. Bah ça sous-tête, bah famille ne m'sous baya. C'est possible que aussi ta famille puisse venir. Alors on ne baisse pas les bras, n'abandonne pas. Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. J'ai entendu dire à quelqu'un, ne dis pas que tu ne sauras pas. Tu sauras. Ne tremble pas devant eux. Ne dis pas que non, ma grand-mère, on peut aussi m'battre. T'es ne tremble pas devant eux, Jérémie, car je t'ai déjà donné les paroles qu'il faut. Dieu te connaît. Il a un plan merveilleux pour toi. Quand ton temps arrive, ce n'est pas toi qui vas aller vers Dieu, mais Dieu va venir vers toi. Quand ton temps arrive, Dieu décide d'aller vers toi. Quand le temps de Jérémie était arrivé,
Dieu a décidé d'aller vers Jérémie. Oui, mon frère, Kofi nganga te lelo pourtant nganga imeye ba geten izo koka. Jérémie était un enfant, mais Dieu l'avait choisi parce que son temps était déjà arrivé. Lelo ko se kanga te po do sin ba million, peut-être nganga ko sin ba milliard. Alors ko se kanga ite lelo pour na za na mbongo te, pour do tambo na tom sou na ketch. Tom sou tambo na nganga na ketch, ya 3500. Tant que nous avons eu l'eau, nous 3500. Alors que c'est quand nous avons eu l'eau, c'est quand nous avons eu l'eau pour nous faire makolo. Je me dis à quelqu'un, tes amis ont fini de dire avec toi, babaye déjà, basi, d'ici, basa la entreprise, mais toi, tu n'as rien encore créé, ne baisse pas les bras. Baide aux aranango, en attendant, on a papier, calamité, vous allez réaliser, ba entreprise, au cola. Parce que, on peut basa libre entreprise, ba l'écoute, dans l'autre côté, basa la maïna makila. Et au contraire, toi, tu as la grâce. Quand ton temps arrive, Dieu lui-même entre en action. Deuxième point, je vais essayer un peu de me marteler sur ça. En Dieu, nous avons la victoire. En Dieu, nous avons la victoire avant les combats. Ah, avant les combats, nous avons la victoire. Et la Bible est en train de nous combattons dans la victoire. Donc, lorsque des combats, nous nous sommes rassurés que déjà nous avons la victoire. J'aimerais dire à quelqu'un, tu passes par des moments de combat, mais il y a déjà la victoire, sans pourtant le savoir. Parce qu'un homme à la croix a tout accompli pour toi. Quand il montait à la croix, il a dit, Père, Père, il a tout accompli. Je ne sais pas qui sont des personnes qui sont en train de te combattre au travail, à la maison, à la famille, dans le quartier, dans la ville. Il y a des gens qui ont déjà la victoire. La Bible est en train de dire, nous combattons dans la victoire. La victoire est certaine. Est certaine. Dieu prévient Jérémie. Il dit, vous savez, Mitumberouya. Je ne comprends pas quels sont les enseignements qu'on enseigne dans le temps des chrétiens. Quand on devient chrétien, il n'y a pas de combat. Il y a des combats, mon frère. Il y a des combats. Mais quand il y a des combats, il y a aussi des victoires. Il y a déjà des victoires certaines. Il y a des combats, mais il y a des combats. Et pour ça, il y a des combats. 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 Il a dit à Jérémie, il y aura toujours des ennemis. Ngapena benemi bazoko se multiplier o kufa kasi soko lingi bongote so lingi batba lobana yote kufa kenye na yo katitiki la biso mokili mais yeront toujours des ennemis, yeront toujours quelqu'un à côté de toi, donc ça va malam alors c'est pelaté. Alors c'est pelaté parce que ce que Zawana Zomo en est toujours kangaye. A mon moment est toujours le barabien. Yosa Mayele, a rossé pelaté. A tous les qui a rossé pelaté. Zana bat le roi la bongoua. Elle sait que tu es belle, elle sait que tu es beau. En fait, le problème c'est quoi avec elle? Tu ne comprends pas, tu n'arrives pas à comprendre. Oh salé ma bé, oh salé ma lame, pardon, salé ma lame. A donc dit ma kakate. A dit ma lame, a dit ma lame, a dit ma lame. Jérémie, il y aura des combats. Il y aura des ennemis visibles et invisibles. Même si il y a Kama, même si il y a Sangani, même si il y a Mabouke, il y a Région, il y a Loroté, même si il y a Moussala, même si il y a Loroté, même si il y a Touché Bana, il y a Loroté, il y a Loroté, il y a Loroté. Il y a des poisons, des locaux, des micros, des bureaux, des kits. Mais il y a des locaux, des locaux. J'aimerais dire à quelqu'un, la Bible est en train de lire, quand vous priez, croyez que tout ce que vous êtes en train de demander, vous l'avez déjà reçu. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de dire, il y a des gens qui sont belés, il y a des gens qui sont belés. Mais ce que j'aime, tant que vous êtes belés, vous êtes un peu faible. Ah, ça c'est merveilleux. Tant que vous êtes belés, vous êtes un peu faible. J'aimerais dire à quelqu'un, bah, comment la bango belé, mais bah, comment on peut faire sans pourtant le savoir. Pour bah, ça, là, il le roté. Bah, tiens, la bango poisonné, bah, ta poison. Bah, ma tata dégré, bah, le mot la taille intime, bah, tata jour mon corps. Mais n'a pas coup faté, ponza, bah, le bac, il n'a pas coup facilité, n'a pas mon habitat, n'a pas simba yango. Je ne mourrai pas parce que les hommes ont décidé. Tout ne mourrait pas parce que les hommes ont décidé. En français, nous disons Barossa et Logoté, Lingala, ils nous feront rien. Barossa et Logoté, en français, Barossa et Logoté, Lingala, ils nous feront rien du tout.
ba multiplier ba stratégie ba ya ebélé ba sangana ou ya famina ou ya quartier na ou ya église ba ko sala ngelo roté. J'aimerais encourager quelqu'un qui est en train de travailler dignement. J'aimerais encourager un ministre, je sais pas moi, un DG, non, encourager un militaire moro boyazo azo me ba réforme na lengena ro sala makambu mais azo raconter ba ba obstacle ba problème ba combat. Oui, ko ba ko amener ba réforme na musala, ko ba ko amener ba réforme na ministère ba kuma ebélé ba sala le roté. Batia poison au golier en beaucoup faté. La Bible est en train de dire, même si vous mangez des poches, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez. Est-ce que les gens lisent la Bible? Ces paroles, en fait, cette livre nous a été donné. Nous devons le lire, nous devons le méditer. Il y a des prophéties qu'il faut pour nous ici. Barossa et l'oroté, Barossa et l'oroté. Ba fin na bango, ba tonga na bango, ba loba na bango, yokuto kauka. Ozamu na zamu na maza kitoko. Barossa langel l'oroté. Seigneur, étant les chrétiens sont intimidés, je ne comprends pas pourquoi, mais Barossa les locotés. En français, nous disons Barossa les locotés. Barossa les locotés, dans l'ingala, ils ne nous feront rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Babouaka, Babouaka Massou, Babouaka, je ne sais pas moi, ce qui n'yonka, ce qui nini, Barossa les locotés, maman n'a pas beaucoup faté, tata moi, ce qui beaucoup faté. Bandeko nanga ba kou fasikote ata ba ennemi ba komi ebélé. Jérémie, ils te feront la guerre. Oui la guerre ba rosala yango ba boka ba flèche peut-être pe kozwa biso mais e rosala ne biso e lokote e rosala biso e lokote za lokwa muto ale kana mutuka nazana mutuka so kwa ki mai e kozwa ngate ponga nazana mutuka donc atubwa ki mai nazana mutuka kozwa ngai te lo bana tambo da makolo. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. En fait, il était en train de dire à Jérémie, il y aura aussi des accusations. Où est le ministère? J'aimerais encourager un ministre qui est en train de me suivre cet après-midi. Tu es en train de dire, pourquoi je suis en train de mener des réformes? Mais les gens sont en train de parler. Oui, barolo banabango, bazolo banabango, accusation le kutao à Yibi. Non, Baloban, je vais encourager un PCA, un DG, je ne sais pas moi qui entre nous suivre cet après-midi. Il y a donc encouragé Moutoumoro Boye. Moutoumoro, honorable Moro Boye. Moutoumoro Boye, Zolinga, Meme, Amen, on va réformer la Moussala. On va travailler dignement pour la Lokoum Yamboka, Koba ou Sala Yango, Basangana, Bakoma, ce qui est dans ma partie, Bakoma est belé, mais Bakoussa de l'Oroté. Bayana Bakisation fausse, Bakoussa de l'Oroté. Le temps est venu où les chrétiens doivent déclarer ces paroles. Ils nous feront la guerre, ils ne nous vainqueront pas. Ils nous feront la guerre, ils ne nous vainqueront pas. Ton élévation peut amener des combats, des accusations fausses, spirituelles surtout. Les combats spirituels sont une réalité. Les combats spirituels sont une réalité. Ils allaient sur le combat spirituel. Ce que j'aime, c'est que tant bayaka kala bandoto, tant bayaka na ndela musala, tant balinga abunga tabso makanisi. Bayi bazo ya na bango, mais ba osale loroté. Ba osale loroté. J'aime ça. Après avoir informé de tout ça, Dieu dit à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils te vaincront pas. Dieu a dit à Jérémie, oui, ne trompe pas. Je suis dur à quelqu'un. Ne dis pas que tu es un enfant. Ne dis pas que tu es un enfant. On m'a toujours dit, quand vous allez demander le travail dans une entreprise, quand vous doutez, on vous dit pardon, qu'est-ce que savez-vous? Qu'est-ce que tu peux faire? Dis, je peux faire tout. Qu'est-ce que tu peux faire dans cette entreprise? Dis, je peux répondre à tous vos besoins. Ne dis jamais que je ne saurais pas faire ça. C'est le manque de ce qui m'a péché, ma gambango, ne veut pas savoir que Nazan a balaké. En fait, je n'ai jamais compris ce genre de système, mais après, j'ai réalisé que c'était très bon. C'est que, en fait, c'était quoi en fait? Il nous amenait à comprendre que nous pouvons faire tout. L'homme a la capacité de tout faire. Surtout que quand il est avec Dieu, quand tu es avec Dieu, tu peux aller partout et personne ne peut t'arrêter. Ils te feront la guerre dans les études. Professeur, nous avons dit que 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 n
Mais je finirai par passer. Je sais que dans le caca kato kangi. Je sais que ça plus que Goliath, ça plus que un pharaon. Je sais que je finirai par passer. J'aimerais encourager à quelqu'un, je mets en congé quelqu'un cet après-midi. Tu te poses la question, comment faire face à tous ces combats? Non, tu n'as qu'à croire à cette puissance, grâce que Dieu t'a donnée, et déclarer ses paroles. Ils te feront la guerre. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Barosale l'oroté. Barosale l'oroté na moussala. Barosale l'oroté na moussala. Barboura ba poison. Barta soki ni to yébite. Barosale l'oroté. Barsimba via moya ebana. Via moi si. Yanga imoko ya famille. Barosale l'oroté. Barosale l'oroté. Togobanga bangote. Ata ba multiplier ba stratégie. Ba changer ba élément. Barosale l'oroté. Barosale l'oroté. Tu seras toujours vainqueur. Ce que Dieu est en train de dire à Jérémie, c'est que je suis avec toi et tu seras toujours vainqueur. Ils te feront la guerre, mais ils te vainqueront pas. Baroya et Bélé. J'aimerais dire à quelqu'un, la présence de Dieu vaut mieux que la majorité des hommes. La présence de Dieu vaut mieux que la majorité des hommes. Hein? Bon, nous sommes moi dans mon cœur, nous manquons Micole, faut me tourner. Moi dans mon cœur, ça n'est pas si malin. Soyez moi dans mon cœur, je manque Mikolo, je boude ba Mikolo, ke ba ba grand fan ba za ba maître. Na karaté za soyez moi dans mon cœur, je manque ba Mikolo ba tout na Aza na ba grand frère ba maître té. Hein. Est-ce que ba grand frère na ba ça la sport té? Ke ba soyez hein, c'est ça en fait. J'aimerais dire à quelqu'un soyez moni to zo lo ba boye po na simana bito za na muntu aleki nyonso. Celui qui en nous est plus fort que celui qui est au monde. Alors tu ne peux pas venir nous intimider, non, non, on doit dire la vérité, c'est que nous sommes cachés en Jésus-Christ, nous sommes cachés en Christ. Même si vous venez nombreux, vous ne ferez rien, rien du tout. J'aimerais dire à quelqu'un, en Dieu nous avons des victoires, nous avons toujours des victoires. Dieu ne permettra pas, Dieu ne permettra que son plan pour ta vie soit un échec. Tu peux imaginer que Dieu vraiment avec tout ce qu'il a conçu, tout ce qu'il a fait pour toi, et que cela puisse échouer parce qu'il y a, des sorciers dans ta famille, dans ton entourage. Il y a des gens qui se disent que non, yogu te rosimbate, bolo balami te rosimbate. Moi, je sais que ça marchera. Ça finira par marcher, ça finira par aller parce que je suis caché en Jésus. Ah, en fait, Barosale l'oroté, en français, en lingala, ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vainqueront pas. Ce que j'aime avec Jérémie, c'est que Jérémie avait des paroles sûres et certaines. C'est que vous pouvez venir, gens, je peux faire moi toute la famille, mais vous ne finirez pas de me vaincre. La Bible est en train de dire, celui qui est en Dieu est plus fort que celui qui, en fait, est plus fort. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est au monde. Nous avons Jésus-Christ. Celui qui est mort et ressuscité. Il a donné sa vie pour nous. Il a accepté de tout abandonner parce qu'il avait, il nous aimait et il nous aime jusqu'à présent. Il est parti, il nous a laissé le Saint-Esprit. Celui qui nous conduit vers la gloire. Qui nous conduit dans cette vie de la consécration et de la sainteté. L'Esprit nous rassit. J'aime cette chanson. Maman, les a l'obagaké. Borosa le loroté. Ataboye kama. Atabo sangani borosa le loroté. Deuxième, c'est que il ne permettra pas que ses promesses dans ta vie ne soient pas réalisées. Tout ce que Dieu t'a dit, tu finiras par voir ça. Ça finira par s'accomplir. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit comme promesse? Qu'est-ce que tu as comme promesse de Dieu? Alors, reste dans ton poste et n'écris rien du tout. Parce que ils ne vont rien te faire. Ils ne vont rien te faire. La troisième, la présence de Dieu rend sans effet toutes sortes des armes étrangères contre toi. Même les poisons. La présence de Dieu rend sans effet toute forme des armes étrangères contre toi. Tu as des combats où, au travail, à la maison, je ne sais pas moi, où ça. Ebisa bango, bosangana. Bosangana oya famille, bosangana oya quartier, oya ville à Kinshasa, bosangana oya côté.
brossa la ngai et le côté. So moni mo na mke azo azo manke ba mikolo do boude mikolo yeba kazana ba grand fait ba pomba. Alors fais très attention. Je suis en train de dire à mes ennemis, à tes ennemis, de faire très attention parce que Barossa l'a eu l'oroté. Parce que je suis en train d'annoncer l'année de la réception des bonnes nouvelles dans la vie de quelqu'un. Cet mois de juin, tu ne sortirais pas tel que tu viens de l'entrée. Tu sortiras avec des bonnes nouvelles. Tu vas recevoir ce que Dieu a promis pour toi. J'annonce à quelqu'un, à une femme qui est déjà marié mais qui n'a pas des enfants, que sept mois, tu tomberas enceinte et tu te mèneras la grandeur de Dieu. J'annonce à un homme qui cherche des boulots, c'est que tu vois le dossier que tu as déjà déposé, mais on va t'appeler là où tu n'as pas déposé le dossier et tu travailleras. J'annonce à, je ne sais pas moi quoi, étudiant, tu kiffes la mi-session ou la session, c'est que tu ne vas pas échouer parce qu'il y a un professeur qui a un poste de la biste. Tu finiras par passer pour y avoir salarié loco. Ils ne te feront rien du tout. Je suis en train de croire depuis profond de mon cœur que Dieu avait déposé ça pour quelqu'un. Je ne sais pas moi pour 5 personnes, 2 personnes. Mais je crois que cet après-midi, quelqu'un avait besoin d'écouter ça. Baro sala yo loroté. Ba ya région. Ba ta poison na biloko. Baro sala yo loroté. Ba intimidant na ba téléphone. Baro sala yo loroté. Le temps est venu où les chrétiens doivent se mettre debout pour dire Baro sala yo loroté. Père, je voulais tout simplement te dire merci. Merci pour quelqu'un qui nous a écouté cet après-midi. Merci parce que quelqu'un a zo lo banzambe, merci pour le malobaro et bimina mon roi frère. Merci pour quelqu'un a lemba qui déjà bitoumbe comme il a gesso ngi ndenge nini. Mais maloba Jérémy barosa baroyé belé. Oui, barosa la bitoumbe baro vainque yoté. J'ai prié pour quelqu'un qui passe par des moments de combat, des fausses accusations, que tu puisses la justifier Seigneur. Je prie pour quelqu'un qui veut amener des réformes dans une entreprise. Justifie-la davantage. Donne-la la force. Et permet que sa vie puisse prospérer au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Alors, je vous aime beaucoup. Nous continuons à lancer cet appel d'offres pour les gens qui viennent de cette émission. Et je prie que le Seigneur ne cesse pas de vous bénir. On se voit la semaine prochaine. Ciao. One way.